douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer qu'on voit danser le long du golfe. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce replay commenté par moi-même pour vous. Donc on est toujours sur le Jambard, je dis toujours parce que le dernier replay que je vous ai commenté c'était sur le Jambard, c'était ma partie numéro 2 et ceci ma partie numéro 3. Donc on voit qu'il y a peu de tier 10 en face mais quand même un Montana et un Yamato. De notre côté on a les Creed, donc c'est plutôt bon signe, mais faut pas non plus se reposer que sur eux. Même s'ils ont un fort potentiel à carry, c'est pas non plus Dieu tout puissant. Alors en face, il y a quoi encore? Il y a quoi? Il y a du français, du FFL. Et bah c'est ça. Donc, début de partie. Voilà, on va maximiser un peu la taille de la carte. C'est juste pour que je vous explique un peu ce que je compte faire et comment je compte le faire. Donc un petit GLHF des familles pour tout le monde. On reconnaît les Français qui sont aimables et qui répondent. Un petit coup de chauvinisme. Alors, j'ai pop ici. Donc logiquement, je devrais aller sur B ou sur C. Aller sur A, c'est un petit peu con parce que ça me fait tout traverser. Aller sur B. Là, j'hésitais à soit venir ici pour couvrir C. Donc venir quelque part par là. Par ici, mais ça m'exposait quand même grandement au navire qui était par là. En plus d'avoir des navires ici, donc j'aurais eu un feu croisé sur moi. J'aurais bien tenté de venir ici sur B, mais quand on voit la répartition d'équipe, je me serais retrouvé tout seul ici. Donc certes, j'étais couvert de C, certes, j'étais couvert de A, et j'avais des ennemis qu'en face de moi, mais ça aurait été la fête à la torpille, et j'aurais pas pu me reculer pour mettre à l'abri, sachant que C aurait été contesté par les adversaires. Aller sur A, c'était pas envisageable, donc je décide d'aller sur C. Et je regarde un petit peu comment font mes alliés. Donc là, je vois qu'il y a le DM qui part un peu sur la gauche. Ouais, je sais, je tourne beaucoup la caméra, mais j'essaie de savoir ce qui se passe autour de moi. Donc je vois que le DM part sur la gauche. Je sais pas s'il compte aller sur B, du coup, pour contester, ou s'il souhaite remonter sur C. Le Seattle, c'est pareil, je sais pas trop comment il compte se placer. J'essaie de voir un petit peu parce que ça j'avais pas fait attention aux discussions dans le chat au départ. Donc là je vois le ZEC46 qui est parti là-bas. Donc là mon idée c'est de pousser, enfin de m'éloigner de l'île pour pouvoir tirer sur le Minotaur, Bismarck et compagnie. Parce que là j'ai pas d'angle, hein. J'ai l'île de toute façon qui m'empêche de couvrir la zone. J'ai pas des obus en cloche, hein. Je suis pas dans un Atlanta, hein. faut bien garder ça en tête. Et là, je me dis, je vais peut-être avoir une fenêtre avec les arches. Donc, c'est pour ça. Là, je suis en train de me replacer. Le Curfur, c'est sûrement en train de penser la même chose que moi. Donc là, on voit le Smoke. Lui a été spoté, par contre, pas moi. Et maintenant, je vais pouvoir rebaisser un peu la taille de la carte. Donc, le Z46 est contesté par le Minotaur. Le Z46 s'est mis à l'abri. Par contre, il y a un Buffalo qui arrive. Donc, attention au radar. Tiens, le Minotaur est spoté. Voilà, c'est ce que je craignais. Il est protégé par le relief de l'île qui est en face de moi. Et là, je suis gêné dans ma manœuvre par le Curfurst. Donc là, je vois le Buffalo. C'est le seul sur lequel je vais avoir un angle. Donc je vais essayer de maximiser mon impact. Donc vous voyez, première bordée. Pas trop groupé, mais il y a quand même moyen de faire mal. Je me dis, allez, il va s'immobiliser. J'active mon boost de rechargement. Et là, je pense que il s'est rendu compte que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il remet les gaz. Et là, je suis détecté ce coup-ci. Le Seattle a pris Chichi, mais en même temps, il était bien de flanc, c'est normal. Hop, deux citadelles sur le Buffalo, enchaînées par les tirs du Curfurst. Là, il a pris cher. Donc là, ça a été un module bien utilisé parce que ça m'a permis deux citadelles. Et du coup, le Curfurst a pu finir le Seattle qui était une menace pour le Z46 avec son radar.
Nous, on sait, il y a l'Udaloy, il y a le Bismarck, il y a le Yamato en face, il y a le Minotaur. Et là, le Kurfürst est en train de manœuvrer pour contourner l'île et du coup avoir de quoi tirer. Sur le coup, je le vois faire sa manœuvre et je me demande s'il ne va pas faire demi-tour. Donc, je le sais, je vous spoil, il ne va pas faire demi-tour pour revenir sur mon côté. Il va persister, il va aller par là-bas. Pourquoi je ne le suis pas ? D'une, ça m'obligerait, ça me ferait perdre beaucoup trop de temps, alors que je peux encore être un petit peu utile. Vous voyez là, je peux contester l'Udaloy. 4 coups au but, 3005 plus 1002, en gros 3006 plus 1002. Donc c'est pas négligeable hein, sur un Udaloy, je lui ai fait quand même assez mal. Là aussi, j'ai pris assez cher. Vous voyez, j'ai perdu la tour à l'avant, ça c'est le Yamato. Je l'avais pas vu. Là, j'ai remis mes mods, donc vous voyez, mais je les avais pas au cours de la partie, donc je ne savais pas que c'était le Yamato, même si je l'ai soupçonné grandement. Hein. C'est pas le Minotaur qui allait me faire ça, c'est pas l'Udaloy, et je pense pas que ce soit le Bismarck qui aurait pu me faire cette salve dévastatrice. Donc j'ai bien supposé que c'était le Yamato qui m'avait fait mal, et mais maintenant, c'est que j'en suis sûr. Vous voyez, le Yamato, une bordée, il m'a foutu presque 18k dans la trogne. Ah, il m'a juste fait super mal. Donc du coup là je suis prudent. Mon objectif c'est de me replier et de me protéger par là. Et le Kurfürst là est en train de faire une chose qui peut rapporter gros, mais qui est très dangereuse. Parce qu'on voit qu'en face, il y a Yamato, Bismarck, Missouri, Iowa. 4 cuirassés. On est moi-même, Jean-Bart, Kurfürst, Seattle, Donskoy et Z46 qui s'est fait sortir. Donc là, celui qui va nous faire le spot maintenant, c'est le Kurfürst. Par contre, le problème du Kurfürst, c'est qu'il a un Udaloy, un Minotaur, un Bismarck, un Yamato, un Missouri et un Iowa qui vont être sur lui. Et il continue d'avancer. Et on voit les torpilles qui arrivent. Oh, il y a des torpilles alliées là. Ouh, pas bon ça. Donc tout ça pour dire qu'il va être dans une grave mouise. Il est trop avancé. Là, je pense qu'il s'en est aperçu parce qu'il est en train de s'arrêter. Le Kurfürst a réussi à sortir du Daloy grâce à ses secondaires, pardon. On voit que moi j'ai manqué de réussite hein, sur ma bordée. Ça c'est une bordée qui typiquement aurait été mieux à la HE, hein, la précédente. Celle-ci se justifie un petit peu parce que le navire est en train de sangler, il y a moyen de taper la superstructure, hein, mais la précédente clairement aurait été plus impactante à la HE, sans compter qu'il y avait les chances d'incendie en plus. Donc là pareil, vous voyez, hein, là je me dis Yamato, anglais comme ça, j'y arriverai pas. Le Missouri, je l'avais pas, il vient juste de spawn, donc de toute façon, à la paix, ça aurait pas été beaucoup plus intéressant. Donc là, je me dis HE, Yamato, et c'est juste qu'à ce moment-là que le Yamato disparaît. Les arches m'empêchent de tirer sur le Missouri comme je souhaiterais. Donc là, je pars tous pour le tout, un petit coup de bluff, je lance mon rechargement, je tire, je fais les deux en même temps, enfin je tire, puis je lance le rechargement, et la dispersion, trollesque. J'avais pas si mal visé que ça, hein. C'est juste que la dispersion n'était pas avec moi. RNG. Donc là, je balance une bordée, deux bordées. Je vais pouvoir balancer trois bordées. Presque 7000 points de dégâts sur le Yamato. C'est ça, 7128 points de dégâts. C'était pas la bordée la plus efficace non plus. Mais 7000 à la HE, c'est pas négligeable. Si j'avais pu claquer un petit incendie au passage, ça valait le coup. RNG. Pas d'incendie. Voilà, c'est comme ça. Là, vous voyez, pareil, une visée qui était pas trop dégueulasse, mais dispersion. Donc là, du coup, je repasse à la paix. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Bismarck, il y a le Missouri, il y a des tirs qui se tentent à la paix. La visée, par contre, entre les arches, c'est un petit peu couillu. Vous voyez, la première tour, elle est passée, la deuxième n'est pas passée. Et la visée était vraiment aléatoire. De l'autre côté, on voit que A s'est fait littéralement éventrer, mais en même temps avec 4 cuirassés de l'équipe adverse en face de nous, c'est sûr qu'ils avaient la voie royale sur A. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils... Je pense qu'ils s'en sont rendu compte assez vite que A était libre, et le République lui a joué intelligemment, il a dû virer de bord et passer par là, pour venir contester B. Par contre, les autres qui sont ici, voilà, il n'y a pas une forte opposition quoi de leur côté. Donc on voit là, il y a eu un navire coulé ici, un navire coulé ici, un navire coulé là. Ouais, nous on a perdu un DD, un cuirassé, donc nos deux morts sont sur notre flanc. Tous les morts que vous voyez là, c'est l'équipe adverse. Donc moi là, j'ai un Bismarck en face de moi, je sais que j'ai le Missouri, je sais que j'ai le Yamato. Mais à ce moment-là de la partie, je l'avais oublié le Missouri. Pour moi, le Missouri était sur la gauche et allait partir sur la gauche pour contester B. À ce moment-là, là, il y a des tirs qui partent d'ici là. Et hop, le Missouri qui réapparaît. Et là, je me dis, eh merde.
C'est pour ça, j'active mon module de soins, parce que je sais que le Missouri va pas tarder à pop devant ma trogne, et que je vais prendre cher. Pourquoi je vais prendre cher? Parce qu'il y a le Bismarck et le Missouri sur moi. Moi, je suis cuirassé, au contact. J'ai un Seattle en couverture, un Donskoy en couverture, et on voit les tirs qui partent. Ça, c'est les Donskoy et le Seattle qui me soutiennent. Ils balancent à la HE pour leur déclencher des incendies, et on voit que le Bismarck, là, m'ignore. Ouh, là, il y a une grosse salve sur le Missouri. Là, il s'en est pris une bonne. Je sais pas qui lui a foutu, mais il s'en était pris une bonne. On a vu son pool de points de vie descendre d'un coup. Et là, moi, j'hésite entre le Missouri et le Bismarck. Le Missouri me regarde, alors je cherche à le focus lui davantage. J'ai mes secondaires qui tirent. Là, j'essaie d'orienter mon navire. Enfin... L'objectif, c'est d'essayer d'orienter mon navire pour mettre le nez entre les deux. Comme ça, mes secondaires vont pouvoir tirer et à droite et à gauche. Le Bismarck, là, est en train de m'ignorer. Il y a ses secondaires, mais pas ses canons principaux tournés sur moi. Ses canons principaux sont sur le Seattle. Hop, on va aller voir un peu comment est le Seattle. Le Seattle est très bas en vie. Il n'a pas tort, ça fait sortir des canons. Il n'a pas tort. Par contre, je vous le dirai dans le commentaire à chaud, parce que le Seattle lui met cher quand même. Je vous dirai dans les commentaires à chaud, c'est sûrement ce qui m'a sauvé la vie. Donc vous voyez, là j'ai réussi ma manœuvre. Mes secondaires de droite tirent à droite, mes secondaires de gauche tirent sur le Missouri. Et là je me dis que ça commence à vraiment pas sentir bon. Dès qu'il va être bord à bord avec moi, il va tourner ses 4 tourelles sur moi. Je vais prendre très très cher. Donc du coup là j'essaie de lui en mettre un bon paquet dans la gueule avant. Et je décide de repartir en marche avant. Là je laisse la caméra, hein, c'est la caméra du jeu. Afin d'éviter d'en prendre trop. Donc vous voyez là je suis en train de me tourner afin de me présenter un profil le plus étroit possible. Le Seattle s'est fait sortir et là je me dis le Missouri va essayer de me ramer. C'est pas possible, donc je peux pas activer le boost de vitesse. Donc là l'essentiel de ma manœuvre, ça va être pour éviter les prônages du Missouri, et on voit que ça passe vraiment pas loin. Et une fois que j'ai vu que j'ai réussi à l'éviter, hop, je minimise mon profil. Et je présente que mon arrière, sachant que tous mes secondaires sont l'arrière. Ça va être le meilleur moment. Le Bismarck s'est fait sortir par l'Hindenburg. Heureusement, merci à lui. Le Donskoy est toujours en soutien, le Shima est en soutien, le Baltimore est en soutien. Toute l'équipe est venue pour contrer les adversaires. Et le Missouri, que j'ignore volontairement au début, parce que je me suis dit, autant essayer de foutre une claque au Yamato, vu que mes tourelles sont qu'à l'avant. Et là, j'en ai perdu une. Je me rappelle pas quand je l'ai perdu, mais je sais que je l'ai perdu maintenant. Et là je me dis merde, je vais pas réussir à le sortir. J'active mon boost de vitesse afin de manœuvrer un peu plus rapidement. Parce que là le Missouri il m'en veut, hein, il veut me finir, hein, j'ai pas beaucoup de points de vie. Et là, l'abordé magique. Enfin magique, bien visé, mais celle qui m'a sauvé, Citadelle. J'ai enfin pu avoir une destruction de navire ennemi avec 130 000 points de dégâts effectués, 253 touches au secondaire. Donc là, je remercie l'équipe qui m'a bien aidé, parce que, faut être honnête, sans le soutien de l'équipe, j'étais perdu. Sans l'erreur du Bismarck, j'étais perdu. Pourquoi je dis l'erreur? Parce que Bismarck a sorti le Seattle, c'est vrai. Mais je pense qu'en se concentrant sur moi avec le Missouri, il pouvait me sortir moi d'abord, puis à deux, s'occuper du Seattle et éventuellement du Donskoy. Donc là, moi, je suis en train de faire une petite blague. Référence à Margaret Thatcher, hein, pour ceux qui reconnaîtront. Ouais, je suis d'accord avec le Kurfürst. Je savais pas que c'était lui qui m'avait fait le truc. J'ai cherché en fin de partie pour complimenter le joueur qui m'avait fait la petite blagounette. Allez, je vous laisse pour le commentaire en direct. Alors, petit commentaire à chaud. J'ai eu super, super chaud. Comme je vous l'ai dit à la fin du replay précédent sur le Jean-Bart. Là, j'ai fait les deux parties à la suite. C'est ma troisième partie. C'est ma troisième partie avec le Jean-Bart. Je l'ai pas spé secondaire. On voit, j'ai fait 253 coups au but. Là, sur les enchaînements, en même temps, j'ai eu qui en face de moi? Non. On va pas faire ça. On va pas aller voir le rapport détaillé. J'ai affronté le Bismarck au corps à corps. Le Missouri au corps à corps. Donc ces deux bébés, donc Bismarck, Missouri. Hein, lui m'avait répondu en début de partie.
Il était parti pour me ramer à la fin. Donc ça, quand je l'ai vu venir, eh ben, j'ai fait en sorte de l'éviter. Faut juste que je pense à vous dire dans le commentaire. Les Creed ont bien joué. Ça se voit. Enfin, ils ont bien joué. En tout cas, le Republic a dû faire une belle partie pour faire 2400 points d'expérience. D'expérience, d'XP ou d'expérience. Joe ne mélange pas trop les termes. Donc, on voit 12 000 points d'expérience, mais ça, faut pas regarder. Là c'est pas révélateur, tout ça. Ça, c'est pas révélateur. Pourquoi? Parce que j'ai un navire premium, j'ai un compte premium, j'ai des fanions, j'ai le boost d'XP qui est où? Il est là. Voilà, c'est juste pas révélateur. Par contre, le truc... Ça, c'est révélateur. Là, ce que vous voyez, 130 000 points de dégâts. En tier 9. Avec un navire que je maîtrise pas, c'est ma troisième partie avec. J'ai réussi à faire une destruction. Heureusement, on va dire. Et je sais pas si je vais penser à vous le dire, mais lors du corps à corps, vous avez vu que j'ai essayé de taper un OW Bismarck, parce que je pensais qu'il serait plus facile à sortir. Et après, j'ai vu que le Missouri était plus bas en point de vie. Donc j'ai changé de cible pour passer sur le Missouri pour essayer de le sortir. Je ne suis jamais passé à la HE. J'aurais peut-être dû lors de ce duel, je ne sais pas. Les seuls HE que j'ai tenté, c'est contre le Yamato, parce que le Yamato, il est juste bien blindé, et je pense pas que de face, j'aurais pu lui faire grand-chose. J'ai essayé de lui déclencher un incendie, j'ai pas touché, malheureusement. On n'y arrive pas toujours. Ça c'était quoi? Ouais, bon, ça c'est pas grand chose, ça se fait tout seul. Le Yamato qui était là. À la fin, j'ai essayé de le remonter, mais j'avais pris trop cher. J'ai pas essayé de. Je voulais pas aller le contrer. J'avais 10 000 points de vie. Il me sortait une bordée, il me sortait. En une bordée, il me sortait, ça c'est sûr. Une belle bordée avec un peu de RNG pour lui. J'étais sorti en un shoot. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai eu très très chaud. Il y a notre Kurfürst qui est parti au casse-pipe, il demandait de l'aide, mais le mouvement qu'il a fait, faut que je pense à vous le dire dans le commentaire de la vidéo, c'est que lui il est passé de l'autre côté, de mon côté gauche. Il a contourné l'île par la gauche, on savait qu'il y avait le Minotaur. Donc ça pue la torpille, déjà de base. Après j'ai vu, on savait qu'il devait y avoir un DD, je crois que c'était Ludaloy, donc là ça pue encore plus la torpille. Il y avait quoi encore en face? Il y avait le Yamato. Ouais, tu vas pas chercher à duel dans un espace ouvert, tu pouvais te prendre du tir croisé. On savait qu'il y avait un destroyer qui était passé aussi sur le point du milieu, sur B. Donc voilà, tu... C'est le mouvement, il faut que je pense à vous le dire dans le commentaire, c'est le mouvement que j'ai voulu faire, mais je voulais pas être pris dans un feu croisé, parce qu'on risque trop dans un feu croisé. Surtout moi, avec un navire français qui suis fait pour flanquer, moi je suis pas fait pour tanker. Moi, ce que j'aurais dû faire dans l'idéal, c'est partir tout à droite et flanquer tout ça par le côté. Là. Bon, après, j'ai hésité, et puis j'ai essayé de me protéger par rapport à l'île, mais ça m'a un petit peu gêné pour tirer. Finalement, j'ai pas été si bon que ça. Donc maintenant, on va aller voir les obus de la secondaire. 253 impacts, 2904 points de dégâts. Ridicule. Par contre, le seul incendie qui a été claqué, c'est grâce à mes secondaires. Mais ça reste que ridicule par rapport au corps à corps qu'on avait. Alors, après à remettre dans leur contexte, c'est des secondaires de navires français où j'ai pas mis FHE. En gardant en tête que j'affrontais pas des destroyers, mais des cuirassés de rang 8 et 9. Donc tout ce qui touche, les tourelles, ça n'impacte pas. La coque, ça n'impacte pas. Fallait vraiment taper la superstructure ou le pont. Et vu comme on était en combat rapproché, il y avait peu de chances de réussir à passer par le pont. Le blindage des tourelles secondaires, avoir les dégâts, non, ça n'a pas dû passer. Donc, tout ce qui est passé, c'est ce qui a tapé la superstructure. Est-ce que ça aurait pu voir le coup de mettre IFHE? Oui. Oui, pour la même raison que je le mets sur l'Alsace, ça pourrait voir le coup sur... C'est viable. Alors, est-ce que ce sera rentable tout le temps? Non. Mais clairement, dans ce combat, oui, avec IFHE, j'aurais fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, pourquoi? Parce que pour rappel, les trois tourelles, là, qu'on devine, ici, ah ouais, puis le fait d'avoir perdu ma tourelle. Et quand je dis « I want my tourelle back », pour certains, ça pourrait leur parler « Margaret Catcher », quoi. Juste repenser à ça. Voilà, donc on voit que le Missouri, j'ai fait 36 000 points de dégâts, le Bismarck, 40 000, tout ça en... Ah non, le Bismarck, j'ai commencé à taper un petit peu, Missouri aussi légèrement un peu avant... Mais ça, c'est en 3 minutes de combat. C'est sur le corps à corps. En 3 minutes, j'ai réussi à gagner 70 000 points de dégâts. Le Buffalo qui a pris une citadelle, pareil, là, j'ai eu beaucoup de chance. Le Yamato aurait pu prendre une citadelle à un moment donné.
Mais j'ai hésité, j'ai pas voulu tirer. Puis voilà, lui d'Aloy, ouais, bah 4 sur pénétration. Non, on savait qu'il était là parce que j'ai réussi à les caler une bordée. Donc on savait qu'il y avait lui d'Aloy. Donc clairement, c'était pas l'endroit où aller avec le cuirassé. Là, c'est le rang 9. Hein. C'était un rang 9 qui y allait. Ah non, rang 10, un Kurfürst. C'était pas un grosseux. Moi, le Kurfürst a fait une erreur d'appréciation, je pense. Je pense qu'il a fait une erreur d'appréciation. Après, il y allait, il a fait ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il a fait une erreur d'appréciation en y allant. Et l'erreur de l'équipe, ça a été de ne pas aller avec lui. Donc il y a le Donskoy qui a dû partir avec. Il est mort le Donskoy ou pas? Chez nous. Le Donskoy qui était de notre côté, qui a... Je pense qu'il m'a soutenu sur la fin quand même. Il m'a soutenu... Mais moi j'ai pris cher quoi. Je pense que c'est celui qui était derrière moi. À moins que ce soit le Seattle. Je sais pas, mais je me rappelle avoir vu un croiseur sur mon arrière qui me soutenait. Moskva, je ne pense pas. Non, ça devait être Donskoy ou Seattle, un des deux. Parce que je crois qu'ils étaient vers moi, ceux-là. Ah, il y avait un autre Jean-Bart. Qui, vous voyez, a fait ouais, à peine moins de 400 d'XP, donc de moins que moi. Donc on était avec deux Jean-Bart, en face il n'y en avait pas. Je pense qu'ils avaient quand même l'avantage au niveau des cuirassés. Iowa, par rapport à moi, c'est supérieur. Enfin bon, vu ma configuration, là ils étaient supérieurs à moi, j'ai pas pu exploiter comme il fallait le navire. Et c'est que ma troisième partie avec. Donc voilà, après on voit que j'ai tanké pour pareil, presque 2 millions de points de dégâts. Comme la partie précédente, j'étais à 1,7 million, là je suis à 1,8 million. Dégâts grâce à ma détection, là il y en a un petit peu. Incendi grâce à ma détection, ouais. Escadron détecté, ouais. Bon, la point de défense, oui, ça j'ai pas souvenir avoir fait de la défense. Mais ah oui, quand j'ai tiré sur le Daloy. En effet, quand j'ai tiré sur le Daloy. Donc voilà, bilan. Je pense qu'il est fâcheux. Là, pour le coup, ça aurait été vachement plus rentable au niveau des points de dégâts. J'aurais pu mettre plus de dégâts au Bismarck. Vous voyez, qui est quand même le deuxième de leur équipe. À un moment donné, j'ai eu peur qu'ils essaient de me... Franchement, les deux me rushaient, ils me sortaient. Je ne sais pas comment j'ai fait pour garder mon navire entier. Le Bismarck, si je sais comment j'ai fait. Le Bismarck n'a pas tourné ses tourelles principales sur moi. Il s'est dit, je laisse ses secondaires sur le Jean-Bart. Et je mets mes canons principaux sur une autre cible. L'autre cible, le Bismarck en a coulé un. C'est probablement l'autre croiseur qui a été venu me soutenir, je sais pas. Honnêtement, je sais plus sur qui il tirait, j'ai pas vu sur qui il tirait. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il ne tirait pas dessus. Et je pense que ça a été son erreur, parce que s'il me tirait dessus en même temps que le Missouri, il me sortait. Là il me sortait et je survivais pas l'engagement. Vu que j'ai fini avec 10 000 points de vie, je n'en survivais pas l'engagement. J'étais pas censé y survivre. Ma survie est due au fait que les deux ne m'ont pas focus, tout simplement. Allez, fin de ce commentaire qui aura duré presque aussi longtemps que la partie. N'hésitez pas à commenter, liker et dites-moi vous, dans ce genre de situation, comment vous en seriez sorti? Est-ce que vous auriez rushé? Est-ce que vous auriez reculé davantage? Dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez fait quand vous êtes retrouvé? Quand je me suis retrouvé acculé, est-ce que vous auriez essayé de suivre le Kurfürst ou pas? Allez, ciao ciao les amis.